Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui quelque chose d'un petit peu spécial, quelque chose de nouveau sur la chaîne, quelque chose qui a sûrement été fait des centaines et des centaines de fois sur YouTube, mon top 10 Pokémon. Donc voilà, donc ça va être mon top 10 Pokémon. Donc pourquoi je dis mon, parce que c'est tout simplement mon avis, c'est peut-être pas le vôtre. D'ailleurs je vous invite donc à laisser en commentaire votre top 10 Pokémon, donc voilà, me dire également s'il y a des Pokémon que vous ferez rentrer dans ce top 10 dès que vous enlèverez. Voilà, c'est normal, chacun a son avis, chacun a ses choix, et donc voilà, je vous invite donc à mettre en commentaire pour partager tout simplement ceci. Alors je tenais également à expliquer que c'est un top 10 Pokémon, donc il n'y aura pas de méga évolution ni de légendaire, donc ça sera tout simplement les Pokémon, les 10 Pokémon les plus badass, les plus puissants, les Pokémon que je préfère, en bref les meilleurs. Et on commence tout de suite donc à la 10e place avec un Pokémon mais tellement puissant, Pyrax. Alors Pyrax donc qui est un Pokémon mais tellement puissant, un Pokémon qui placé donc avec Papillodance peut faire d'énormes dégâts, un Pokémon juste trop fort personnellement. Je l'adore bien évidemment, donc de type feu bug, donc c'est également quelque chose d'un petit peu bizarre parce qu'on peut se demander comment il peut être insecte feu. En tout cas voilà, c'est vraiment un Poké très badass qui pour moi devait rentrer dans ce top 10. Et on passe maintenant à la 9e place avec Scizaeox. Alors Scizaeox c'est pareil, de type insecte acier. Alors il y a beaucoup de Pokémon acier, par contre voilà, bon, on commence ce top 10 bien évidemment avec bon deux Pokémon acier de type insecte, voilà, et deux Pokémon insectes les plus stylés pour moi. Voilà, bon, s'il y avait Beedrill à Metz, oui, bon, petit spoil, il n'y aura pas Beedrill donc dans ce top 10, mais il aurait été facilement à la 11e 12e place. Mais voilà, donc Scizaeox qui est juste trop beau, trop badass, trop puissant, qui est un de mes Pokés favoris. On va passer maintenant à la 8e place avec Tyranocif. Alors Tyranocif, ouais, c'est un Poké Roche Ténèbres qui est juste trop puissant. Enfin, rien que quand vous le regardez comme ça, vous voyez qu'il invoque un peu la puissance. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis à cette 8e place. Et voilà, maintenant on passe à la 7e place avec tout simplement mon Poké Oiseau favori, Flambusard. C'est juste, il est juste trop beau, Flambusard pour moi. Il est juste trop fort, il est très puissant. Avec son double type, donc feu ou vol, c'est juste. Ouais, c'est un phénix, c'est un Poké magnifique. J'ai hésité à le mettre plus haut dans le classement, mais les Poké qui m'ont mis ensuite sont juste trop badass. Donc voilà, je ne pouvais pas, désolé Flambusard. Et on passe maintenant à la 6e place avec Absol. Alors Absol, ça peut paraître peut-être bizarre pour certains, mais c'est vraiment un Poké trop stylé, de type ténèbres. On ne sait pas trop d'où il vient, il n'a pas d'évolution ni de sous-évolution. Voilà, c'est un Poké stylé, bon, qui a gagné une méga évolution, pas très stylé elle par contre. Mais Absol, ouais, voilà, j'ai hésité même à le mettre plus haut, mais comme je vous le dis, les Poké ensuite vont être juste trop badass. Et on passe maintenant à la 5e place avec Arcanin. Arcanin, alors que dire Arcanin, c'est un Pokémon de type feu, voilà, bon, il y aura eu beaucoup de Poké de feu, et voilà, c'est juste un Poké trop stylé, c'est un chien de feu, mais voilà, enfin, il est juste trop puissant, il est trop beau, je pense que je suis pas le seul à le faire rentrer dans mon top 10 des Poké favoris. En tout cas, voilà, Arcanin est juste trop beau, et pour moi, il méritait cette 5e place. Et on passe maintenant à la 4e place avec Scalproa alias Bisharp, qui est juste... pour moi, le Poké acier ténèbres le plus stylé. Bon, en même temps, il n'y en a peut-être pas 50. Mais voilà, c'est un Poké acier que j'adore, que j'adore. Voilà, j'arrive même plus à trouver mes mots, que j'adore tout particulièrement. C'est vraiment un Poké, alors pas mon type acier favori, car vous allez voir, il y en a d'autres après. Voilà, mais c'est juste un Poké qui est trop puissant et trop badass. Et on rentre maintenant dans le top 3 avec Exagide. Donc voilà, en 3e place Exagide. Alors c'était obligé que je le fasse rentrer dans ce top. Voilà, c'est Exagide, c'est un Poké spectre acier qui est trop fort pour le OU, qui a même été placé en Ubers par Smogon. Ouais, c'est juste un Poké qui a une grande influence sur Poké. Donc voilà, un Poké de la 6e gen également. Alors j'ai oublié de le dire pour les autres, mais il y en a peu, mine de rien, de la 6e gen. Il y aura eu ben, un Flambusard
et Exagite, voilà, donc vous savez maintenant que ça ne sera pas des poké de la 6ème gen pour les deux derniers. Donc voilà, donc ouais, juste un poké qui m'a marqué, c'est un poké vraiment très très bon. D'ailleurs, il a inspiré mon pseudo, donc Exa, voilà. C'est pour moi un poké qui mérite cette 3ème place. Et on passe maintenant à la seconde place avec Garchakrok. Alors pour certains, je suis sûr que vous derrière votre écran, vous étiez sûr que c'était lui, soit il était premier, soit il était deuxième. Garchakrok, voilà, c'est le Poké Dragon le plus badass, le plus stylé de type Sol Dragon. Il est juste méga beau. C'est un Poké trop trop stylé. Enfin, il est méga badass. Et pour vous et pour moi, je pense qu'il n'y a pas une seule personne qui n'aime pas Garchakrok et qui ne le ferait pas rentrer dans ce top 10. Après, c'est mon avis, bien évidemment. Je vous laisse en tout cas mettre en commentaire si oui ou non vous aurez mis Garchakrok dans ce top 10. Et on passe maintenant à la première place. C'est évident, je pense, pour plusieurs d'entre vous et également pour moi, Lucario. Alors Lucario, il est juste méga stylé. Sa méga également est trop badass. Voilà, bon, contrairement à Garchakrok juste avant, sa méga évolution, je ne la kiffe pas trop. Mais Lucario, ouais, voilà, c'est juste, enfin, il est trop, trop stylé. Lucario, pour moi, c'est mon poké favori, sans légendaire et méga évolution, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment un poké que j'adore, mon type acier combat préféré, mon type acier, je voulais dire, voilà, préféré, donc de type acier combat qui est vraiment très très beau et qui, donc avec sa méga évolution, a le talent adaptabilité et donc qui a été placé Ubers également, donc voilà, c'est juste un truc de fou. Et donc voilà, on en arrive à la fin de ce top 10. Alors voilà, je vous invite donc à laisser un petit pouce vert si cette vidéo vous a plu. À laisser également un petit commentaire, donc comme je le rappelle, pour me laisser votre top 10 de Pokémon favoris. Donc voilà, donc ne me dites pas des méga évolutions ni de légendaires. Voilà, juste vos Poké favoris. Si voilà, vous aurez interverti des Poké, bon, il y a des Poké comme Absol où je pense que certains ne s'y attendaient pas. Mais voilà, d'autres comme Garchakrok, Lucario, que je pense que vous y attendez. En tout cas voilà, alors il y a peut-être des gens également qui auraient mis Dracaufeu, genre Bidrill, Dracaufeu, Tortank. Voilà, c'est des Poké vraiment très stylés, je voulais pas trop mettre de starter bien évidemment. D'ailleurs il n'y en a aucun, vous pouvez le voir. Mais voilà, bien évidemment, ça aurait été un top 20, Dracaufeu il serait, Bidrill également, enfin Mega Bidrill il serait d'ailleurs, je ne vous dis pas s'il sera donc dans le top 10 des Mega Evolutions. En tout cas voilà, en tout cas bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, donc sûrement sur les légendaires ou les méga évolutions. N'hésitez pas également, oui, à laisser vos idées de top 10 dans les commentaires, et puis nous on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. C'était Exa, bye tout le monde.